Jean Annie, les métiers de Dieu, préliminaires à une spiritualité du travail. Introduction. Les pages qu'on va lire devaient primitivement faire partie d'un ouvrage plus important traitant de la vie active dans ses rapports avec la vie contemplative. C'est là un problème qui mérite de retenir tout particulièrement l'attention en ce temps où l'on parle tant et si mal de restaurer la dignité du travail, car cette restauration ne sera possible que dans la mesure où l'on aura retrouvé les principes véritables sur lesquels fonder cette dignité. C'est à rappeler une partie de ces principes que visent les réflexions que nous publions aujourd'hui. Et c'est aussi pourquoi elles rentraient dans le cadre de l'ouvrage général dont nous parlons. Mais elles se sont développées plus que nous l'avions prévu, et suivant des lignes de force qui leur ont donné une unité propre et certaines accentuations, de sorte qu'il était préférable d'en faire un livre à part qui, tout en servant de préliminaire à l'autre ouvrage, permettra d'approcher, sous un angle plus particulier, le problème de la spiritualité de la vie active et d'entrevoir déjà, par là, quelques-unes de ses incidences dans la vie sociale. On trouvera une brève mais excellente introduction à la spiritualité de la vie active dans le livre de Marco Palis, La vie active, entre parenthèses Lyon, de Rhin, 1964. Fermez la parenthèse. Ces remarques préalables étaient nécessaires pour définir l'objet de la présente étude et sa méthode. Nous ne voulons pas exposer tous les fondements métaphysiques d'une spiritualité de la vie active, des fonctions et des métiers, ni les modalités de leurs applications dans le domaine pratique. Nous cherchons seulement ici à poser le premier fondement de cette spiritualité, c'est-à-dire à montrer que toutes les fonctions et tous les métiers peuvent et doivent être envisagés comme des reflets de l'activité divine. Et s'ils sont des reflets, les métiers sont donc également des symboles de cette activité, et notre travail veut être avant tout une analyse descriptive de ces symboles, seuls capables de nous faire saisir de façon concrète et pour ainsi dire vitale l'assise doctrinale dont nous parlons. Mais pourquoi ce titre, les métiers de Dieu, entre guillemets? N'y a-t-il point quelques paradoxes ou même quelques irrévérences à s'exprimer ainsi? Le choix de cette formule, empressons-nous de le dire, n'est pas dû au désir d'être original ou piquant. Elle est, pensons-nous, tout à fait conforme à la nature des choses. Si les métiers humains sont des symboles de l'activité divine, il est parfaitement légitime de parler des, ouvrez les guillemets, métiers de Dieu, fermez les guillemets. C'est qu'alors, en effet, les métiers humains existent en Dieu d'une façon éminente, entre guillemets, ou, si l'on préfère, qu'il existe en Dieu des archétypes des différentes activités humaines. Au surplus, l'Écriture elle-même parle des métiers de Dieu, qui s'y montrent tantôt sous les traits d'un berger, tantôt sous ceux du moissonneur, du vigneron, etc. Et cela est naturel. Dès lors qu'on admet l'anthropomorphisme divin, ce sont tous les aspects de la condition de l'homme que Dieu peut revêtir en quelque sorte. Or, il faut bien admettre l'anthropomorphisme, puisqu'il nous vient de l'Écriture, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Mais, dira-t-on encore, parler des métiers de Dieu ne peut être qu'une métaphore littéraire. On transpose ainsi une opération de l'esprit, on projette, dans l'ordre du divin, quelque chose qui n'appartient en réalité qu'à l'ordre humain. La formule a peut-être une valeur poétique, mais non ontologique. Il n'en est rien. Et s'il s'était agi seulement de littérature ou de poésie, nous ne nous serions pas donné la peine de faire ce travail dont les bases auraient été alors très fragiles. Il y a bien, sans doute, dans les manifestations de la pensée symbolique que nous allons décrire, une transposition de l'ordre humain à l'ordre divin. Mais cette transposition n'est-elle que dans l'ordre du connaître, non dans celui de l'être. L'esprit passe du métier humain au métier divin, comme il passe du sensible à l'intelligible,
ce qui ne veut pas dire que l'intelligible ne préexiste pas au sensible. De même, nous découvrons que nos activités sont, dans leur ordre, un reflet de l'activité divine en son ordre, et nous percevons que, dans le monde divin, nos activités existent, mais sous un autre mode, qui est proprement le mode principiel, ou encore archétypal, si l'on préfère, mais à condition d'entendre ce dernier terme dans son sens traditionnel et platonicien, c'est-à-dire désignant une chose qui existe en Dieu comme idée, et non pas au sens des psychologues modernes qui réduisent les archétypes à des expressions d'ordre purement psychologique et humain, voire collectif et infra-humain. Cette existence en mode principiel peut être comparée, pour reprendre une image antique, aux rayons qui sont présents déjà intégralement dans le centre du cercle. Ouvrez les guillemets. De même qu'au centre du cercle, il y a ce point unique où sont encore indivises toutes les droites qui en partent, de même en Dieu, celui qui a été jugé digne d'y parvenir connaît, d'une science simple et sans concept, toutes les idées des êtres créés. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Maxime le Confesseur, Sant Gnostique 2, 4. Retour au texte. La référence à l'archétype divin se fonde d'ailleurs, en dernier ressort, sur cette affirmation du Christ. Ouvrez les guillemets. Mon Père agit toujours jusqu'à présent, et moi aussi j'agis sans cesse. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Saint Jean 5, 17. Fermez la parenthèse. Cette activité divine continue, c'est la création. Elle est représentée symboliquement dans la Genèse sous la forme d'une histoire située aux temps primordiaux. Mais en réalité, c'est une action continue. Comme dit Maître Eckhart dans un de ses sermons, ouvrez les guillemets, Dieu n'a pas créé le monde il y a 6000 ans, mais il le crée en ce moment même. Fermez les guillemets. En sept, ouvrez les guillemets, incessable maintenant. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, atomon nin. Fermez la parenthèse. Selon le mot d'Aristote. Or, cette activité continue, Dieu a voulu la partager avec ses créatures. Aux puissances célestes, angéliques, les astres qui évoluent dans l'espace du cosmos, et à l'homme, la terre représentée dans le récit biblique comme un jardin. Ouvrez les guillemets. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Genèse 9, 15. Fermez la parenthèse. Le travail agricole, qui est le premier travail indispensable à la vie humaine, est pris ici pour le travail comme tel. Il est emblématique du travail en soi, et plus généralement de l'action sous toutes ses formes. Exercer un métier, c'est agir sur le monde pour le transformer. C'est par conséquent prolonger l'œuvre de Dieu. Celle-ci est le modèle et la synthèse de tous les métiers. Dieu est, en réalité, le seul artisan. Unus artifex est Deus, dit l'adage scolastique. Note de bas de page. Cité par J. Maritain, Frontières de la poésie, page 9, conféré, l'expression, ouvrez les guillemets, artisan de l'univers, fermez les guillemets, appliqué à Dieu par Saint Clément de Rome, épître aux Corinthiens, dans Pates apostolique, entre parenthèses, Funk à 175, fermez la parenthèse. Une forme exactement correspondante de cette épiphète divine se trouve dans l'Égypte ancienne. Emuta, entre parenthèses, S. Morenz, La religion égyptienne, 1962, page 213. Retour au texte. Tous les métiers sont des imitations de Dieu qui agit sans cesse parce qu'il crée sans cesse le monde. Et c'est là, en fin de compte, le seul fondement de leur dignité. Ainsi, en travaillant, l'homme imite et prolonge l'action de Dieu. C'est pourquoi, dans toutes les traditions, avant d'agir, il dit, sous une forme variable, selon ses traditions, mais qui se ramène toujours à celle des chrétiens et des musulmans, « Au nom de Dieu,
mettant ainsi le travail en accord avec l'activité divine qui gère l'univers.